à tout le monde, ici Enterkaz de la Team SOS, on se retrouve sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et je suis avec Big Boss, tranquille, un petit repos, pépère, posé sur le caillou, avec Quiet. Quiet qui... toujours au snipe. Ouais, bref. Alors y'a l'hélico, on va y aller, allez go. Merde, j'ai laissé la bagnole là-bas, bon on va y aller à pied. Alors voilà, dans cette vidéo en fait, je vais vous présenter tout ce que je sais en fait sur la Mother Base, la base de Snake avec toute son armée à la con et tout bordel. Je vais vous présenter ça et puis tout ce que je sais quoi, et puis en même temps il y a pas mal de choses à expliquer quoi. En attendant ce con d'hélico, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a vite fait quoi. Alors recherche et développement, bah en fait c'est pour développer son équipement, ouais c'est ça, son équipement et l'équipement aussi de ses compagnons. Là j'ai pris Quiet, la meuf au snipe là, du coup je peux lui changer son sniper, t'as sa tenue je crois, tu peux changer, t'as pas mal de choses. Gestion des ressources, bah c'est toutes les ressources qu'on a besoin en fait pour fabriquer les choses et tout ça. Gestion du personnel, gestion de la base. Voilà, on y est là. Alors du coup, on va y aller avec la petite musique. On va à la base, mec. Balance-nous à la base. Allez, go. Allez, le party. Du coup oui, on peut mettre de la musique quand l'hélico il arrive, il y a pas mal de musique en fait de ces années là, des années 80 en fait, qu'on peut mettre, moi je trouve ça marrant. T'as l'hélico, t'es en pleine guerre et tout, t'as l'hélico qui se ramène. Alors voilà, on est dans l'hélico, alors en fait dans l'hélico c'est carrément un menu, hein, bah, on peut faire ce qu'on peut faire d'habitude, mais en fait on peut personnaliser son équipement. Alors en fait, c'est un truc qu'on n'a pas dès le début. S'il faut trouver un armurier légendaire, je sais plus quoi, et après on peut personnaliser son équipement comme dans Metal Gear Solid 4. Voilà, on peut... Je peux créer carrément une arme, bon voilà, ce fusil d'assaut c'est ce que j'ai le plus. On peut carrément... voilà, au début on choisit son fusil d'assaut de base. Alors il faut attendre que ça charge, que je puisse vous donner une image quand même. Alors voilà. Après on a les AK du début, on a des espèces de fusils d'assaut américains quoi. On peut prendre ouais une AK de base. Je prends une AK de base, voilà. Puis je peux changer son canon avec toutes les autres armes que j'ai. Par exemple, tiens, je vais mettre un canon qui a rien à voir avec une AK. Voilà quoi, c'est bien, on peut carrément faire son arme à sa sauce quoi. Après il y a des trucs comme celle-là, voilà, je peux mettre ça. Après, tu peux changer le chargeur. Faire un truc bien dégueulasse quoi. Après t'as même les crosses des snipers. Celle-là ouais, c'est une crosse de sniper ça aussi. Un truc qui ressemble à rien. La bouche du canon non, ouais parce qu'il y a ça. Alors du coup on peut mettre un silencieux, on peut rechanger la bouche du canon après, mettre un espèce de suppôt. Hop, mets le viseur que tu veux, tiens je mets une lunette de ouf là, voilà. Un truc bien dégueulasse, une lampe tactique. Hop, une crosse. Et voilà, on est parti pour faire la guerre. Avec mon arme qui ressemble à rien, là, il y a des pièces de tout. Puis on peut mettre un petit skin, allez hop, skin jaune cocu. Voilà, tadam. Bon bref, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs. Sniper, pareil, tu as fusil à pompe avec une lunette, ouais bref. La personnalisation est pas mal, mais il n'y a pas que ça qu'on peut personnaliser. On peut personnaliser son hélico, bah, changer la couleur, les véhicules, pareil. Les coéquipiers, bah, il y a D-Dog, ouais, qu'on peut changer de couleur. Il y a aussi le D-Walker, bon, c'est un petit robot qu'on a avec ça, qu'on peut changer de couleur comme les véhicules. Il y a l'emblème, vous voyez en haut à droite là. L'environnement de la base, bah, pour le moment moi je pouvais changer que la couleur. Et l'avatar, je pense que ça sera pour le Metal Gear Online. Bon bref, on va aller à la Mother Base, comme ça je vais vous montrer ça nickel. Parce qu'en fait, il n'y a que dans l'hélico qu'on peut personnaliser. Alors je voulais aller à la Mother Base, mais je voulais vous montrer ça avant. Parce que ça, c'était un truc que je me disais au début du jeu. Putain, c'est con, dans Metal Gear Solid 4, on pouvait personnaliser son équipement. Choisir, voilà, si on mettait un viseur laser, là, quelle lunette qu'on voulait mettre sur son M4 et tout ça. Je trouvais ça bien. Et au début de celui-là, je me dis, putain, en fait, tu t'achètes une arme et elle a déjà le viseur et tout ça, tu peux pas choisir. Je trouvais ça un peu con. Puis en fait, non, c'est au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, et ben tu débloques des trucs pas trop mal, quoi. C'est bien, ils disent rien au début, et tu découvres ça à ta sauce, en avançant dans le jeu, qu'il y a plein de trucs à débloquer, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Encore une cinématique?
Bon, je vais laisser la cinématique, je vais rien dire. Comme ça, au moins, c'est fait. It's raining. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, elle kiffe la pluie. Bah, elle kiffe l'eau, en fait, alors... Ouais. Ils sont pas trop perchés les Japonais sur ce perso là, putain. Oh putain. Mais Snake il doit être fou dans le machin. Ouais bah il faut acheter Metal Gear Solid 5, il y a des nichons hein. Pouah. Puis moi je lance une vidéo, je savais même pas que j'allais tomber là-dessus, mais c'est pas grave. Je vais la laisser. Rien que pour le plaisir. Ok, il lui sort ses bottes, il fait le mec. Ah, du coup, c'est Metal Gear Solid, hein. La meuf, elle a des pouvoirs, on sait pas trop, elle parle pas, bah elle s'appelle Quiet. Quiet, ça veut dire tais-toi, je crois, ou je sais plus quoi en anglais. Silence, je sais plus. Mais Snake, il l'aime bien. C'est vrai qu'elle est super forte. Bah, c'est un putain de sniper. En compagnon, elle est super efficace, quoi. Elle est perchée en haut, toi t'es là, tu... Dès que tu te fais caler, perm, elle lui colle à headshot au mec, direct. T'as même pas le temps. Bon après, les mecs ils sont sur le sniper, du coup, et... Toi tu peux utiliser, l'utiliser comme diversion, quoi. Du coup, elle tire sur les ennemis, et hop, toi tu peux rentrer par derrière, et puis tous les niquer. Bon voilà, ça c'était pour le plaisir. Ah, il y a le pépère en fauteuil roulant derrière. Ah, il voulait voir le pépère, il était là. Oh, vas-y, elle se dessape la gonze. Ah, bah, il est plus là. Bon voilà, je suis à la Mother Base. Un peu plus de sérieux. Alors, la Mother Base, c'est une espèce de grosse plateforme pétrolière. Vous pouvez voir, hein. Elle est énorme. Alors, sur la carte, ça donne ça. Voilà. Alors, sur la Mother Base, en fait, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire ça, voilà, gestion de la base. Bah, alors, gestion de la base, on va aller tout de suite là-dessus. Alors, on peut améliorer, en fait, bah, ces quartiers. Au début, on a que ça. On a que la plateforme de commandement. Après, on peut améliorer la plateforme de combat. Plateforme R&D, c'est le développement. Plateforme de développement de base, bah, c'est pour améliorer le développement de la base, tout simplement. Et en fait, en améliorant, bah, voilà, soutien, renseignement et médical... En fait, en améliorant n'importe quelle plateforme, on peut, en fait, bah, comme ils disent, on peut amener plus de monde, en fait, dans la plateforme. Après, alors, je vais vous montrer le personnel, comme ça, au moins, ce sera plus clair. Voilà, en fait, le personnel, il est divisé en plusieurs parties. Alors, t'as l'unité de combat, l'équipe de sécurité, le développement de base, soutien, renseignement et médical. Après, il y a l'infirmerie, les cellules, puis ça, c'est tout le personnel, ouais, bref. Après, t'as les tuer au combat aussi, parce qu'il y en a qui peuvent mourir aussi. Alors du coup, unité de combat. L'unité de combat, en fait, c'est l'unité, en fait, qu'on va... C'est les soldats, on va les envoyer faire des missions, à, on va dire, parallèles aux nôtres. On va les envoyer faire des missions pour gagner des PIM. Bah, les PIM, c'est les PIM. C'est le fric, en fait, dans le jeu. Pour gagner du fric,
ou des soldats, des ressources et tout ça en fait. Et aussi c'est l'unité qu'on peut prendre à la place de Snake. C'est-à-dire on peut prendre, tiens hop, je peux prendre la gonzesse là, je peux prendre lui en fait pour faire des missions à la place de Snake quoi. En plus Snake il est en A++ partout, qu'elle elle est en S+. C'est beaucoup plus, c'est au-dessus quoi. Après je vois pas vraiment la différence de combat parce que j'ai déjà pris un E, j'ai essayé, pour moi c'est exact, ils font exactement les mêmes choses. Après chaque en fait personnage a son truc, pas tous, hein. Il y en a, ils ont des talents, comme lui il a tireur, le réflexe dure plus longtemps, lui il est venteur, après je sais pas trop, ça doit être ouais quand il se fait scanner, il monte pas directement ses... Le scannage c'est quand tu vises un mec et que tu vois après ses compétences. Je crois que c'est plus pour le online, tu vois, il y a des trucs comme ça, sauvage en sprintant pour porter un coup de poing puissant. Ouais, mais il peut le faire Snake ça. Ouais bref. Voilà. Après, l'unité l'équipe de sécurité, ça on le débloque à un certain moment. C'est en fait, c'est pour le mode multijoueur, FOB qu'ils appellent ça, je sais plus ce que ça veut dire exactement. C'est en fait, c'est la sécurité de notre base. C'est eux qui vont sécuriser notre base, quoi. Et c'est eux, en fait, que les joueurs vont affronter s'ils envahissent notre base. Alors du coup, vaut mieux avoir une bonne sécurité. Bon, moi j'ai une sécurité de merde, je me suis fait envahir par un mec et du coup le gars m'a piqué, j'avais mis des A++, il me les a piqués, je crois que je les ai plus, ou il les a tués, je sais plus. Bref, j'ai une équipe de merde. Du coup, moi quand j'ai vu ça, j'ai voulu, hop, j'ai dit vas-y, contre-attaque direct, parce qu'en fait, quand on se fait envahir, on sait qui nous a envahi et on peut l'attaquer, le contre-attaquer direct. Du coup, voilà, le gars, j'ai voulu contre-attaquer, j'ai pas regardé, mais après... J'ai regardé ses stats, ouais, il avait plus de 2000 hommes, moi j'en ai 653, et le gars avait 200 heures de jeu. Bon, du coup, j'ai fait, ouais, oh, pas grave, j'y suis allé, bon, bah, il avait des mecs blindés avec des casques partout, il avait, ouais, j'étais fou, quoi, je pouvais même pas en choper un. Lui, en plus, quand il a vu que j'ai envahi sa base, eh ben, il est venu, parce que ça le dit quand lui, ben, à mon avis, ça doit lui envoyer un message quand il se fait attaquer. Et du coup, il a décidé d'aller dans sa base pour m'affronter, quoi. Du coup, il est venu, bon, j'ai réussi à le tuer 2-3 fois, mais je me suis fait éclater, quoi. Du coup, ben, voilà, je me suis fait éclater. Alors pour le moment, bah, je me suis mis en hors ligne et puis ça on verra plus tard à l'équipe de sécurité, je vais avancer dans le jeu parce que quand je vois qu'il y a des mecs comme ça qui m'attaquent, c'est même pas possible. Bon bref, alors équipe R&D c'est le développement, alors oui, le développement que je montrerai, bah tiens je vais montrer ça tout de suite. Voilà, développement, on peut améliorer ses armes, bah améliorer, développer des armes en fait. Pour après, par exemple, je développe celle-là, je développe... l'équipement qu'il y a dessus, parce que cette arme là je l'ai déjà, la PG machin, ou tiens celle-là, je l'ai déjà. Mais après je développe son canon peut-être parce qu'elle a, voilà, une monture de lunettes, un point rouge en plus. Voilà, c'est des équipements après que je peux faire pour personnaliser mon arme. Il y a pas mal de trucs, là c'est tout ce que je peux avoir parce qu'en fait il faut avoir des sous. Et en même temps un niveau de développement élevé, bah, comme là ils disent il faut 24, là je suis 38. Et aussi, des fois, il faut des... comme là, il faut pêche d'Afrique, digital, l'UTA. Il faut des ressources. Puis après, il y a pas mal de trucs. Hein. Bon, je vais pas tout montrer là. Équipement coéquipier. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, là, je peux acheter bah, tiens, un snipe pour Quiet, une tenue. Après, ça, c'est pour le robot. Je peux y acheter une Gatling. Là, la tenue de combat pour le cheval. Après, voilà, il y a pas mal de trucs. Hélicoptère, je crois, c'est pour quand tu l'appelles en soutien, elle peut venir en soutien pour t'aider. Et tu peux lui acheter des roquettes un peu plus perfectionnées ce qu'il a avant, des gatlines, un blindage. Tiens, le blindage, je vais le faire. Parce que l'autre coup, il s'est fait éclater. Quand l'hélico, il se fait éclater, c'est 80 000 pim. Ça fait mal. Là, j'en ai 40... Ouais, j'en ai quand même pas mal, mais... Pff, 80 000 pim, quoi. Vas-y, tu prends ça dans les chicots, parce que l'autre, il a pété ton hélico. Ah ouais, voilà. Dispositif de sécurité, c'est quand on est en ligne. Bon, là, je suis pas en ligne, alors du coup, je vous montrerai pas ça, là. Mais je ferai une vidéo sur le FOB, le mode en ligne, là. Bah, ça sera la troisième que je ferai, sûrement. Alors, voilà. J'étais où ? Gestion du personnel. Alors, voilà. Ça... Maintenant, unité de développement de base. Bah, c'est pour améliorer sa base, comme je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ça va plus vite. Ouais, c'est ça. Hein, parce qu'en fait, à chaque truc, comme vous voyez, là, j'ai développé... Bah, je sais plus quelle arme... non, j'ai développé l'équipement d'hélico, bah ça met 36 minutes, et c'est 36 minutes de jeu. C'est pas 36 minutes, t'es à la console et c'est fini. C'est 36 minutes de jeu. Du coup, voilà, faut jouer, on peut laisser la console allumée avec le jeu dedans. Voilà, il y a plusieurs techniques, machin, mais des fois, ouais, pour faire une base, c'est une heure.
Bon voilà. Alors soutien, le soutien c'est tout ce qui est avec le Fulton, là, l'espèce de ballon qu'on peut extraire les mecs, tout, bah, qu'on peut tout extraire en fait avec les véhicules et tout ça. C'est ça en fait. Pour bah ça va mieux quoi, parce que des fois quand il pleut on peut pas extraire, ou on peut mais t'as une chance minime de le louper. Alors du coup des fois t'extrais un mec qui est en A++ et puis tu te loupes, il est mort dans le machin. Vas-y, c'est n'importe quoi. Alors du coup il faut améliorer son soutien. Il y a l'hélico aussi, du coup il va plus vite, il y a pas mal de trucs. Tout ce qui est aussi, on peut demander des largages d'équipement et tout ça. Il y a pas mal de trucs. En fait, le mieux c'est de tout améliorer. Moi j'améliore tout à peu près au même niveau. Comme ça. Voilà, après il y a le développement que j'essaie d'améliorer plus, parce que le fait d'avoir un bon développement, bah tu peux faire plus d'armes. Puis ça va plus vite aussi. Alors le renseignement, en fait, le renseignement c'est tout ce qui est ce qui apparaît sur la carte. Ils te disent quand il va pleuvoir, ils te disent quand il va y avoir une tempête de sable, ils te disent quand il y a des ennemis qui vont arriver vers vous, ils te marquent des points sur la carte qu'avant ils te marquaient pas. Plus t'améliores, mieux c'est en fait le renseignement aussi. Voilà. L'équipe médicale, c'est quand on a quelqu'un qui est blessé, je crois, dans la base. Ouais, c'est ça. Par exemple, il se passe souvent des trucs, ça, je ne sais pas pourquoi, ou il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a ça. Mais des fois, ça te met. Il y a eu une baston, en fait, dans la base, une bagarre, et du coup, il y a trois mecs à l'infirmerie. Quand je dis, pourquoi ils se battent, les mecs? Attends, tu veux que Big Boss Snake il arrive et puis qu'il leur pète la gueule? Non, mais oh. Non, mais c'est ça, du coup, ils vont à l'infirmerie, ça fait des gens en moins, quoi. Après, il y a ceux qu'on blesse et tout ça. Bon là j'ai personne à l'infirmerie, c'est très bien. Après il y a ceux qu'on. Des fois il y en a, voilà, c'est un A++, il a pas mal de stats lui, du coup il fait le mec qui résiste et tout ça, qui peut pas être avec moi, du coup il est en tôle pendant un petit certain temps, et après paf il va être avec moi. Mon coyote elle est tout le temps en tôle, hein, parce qu'à la base normalement elle est pas avec soi, mais bon. Ça c'est dans l'histoire, je vais pas spoiler là-dessus. Bon bref, ça c'était pour la gestion du personnel. Après, dans la base, ce qu'il y a à savoir, c'est que. On peut en fait aller dans une. Bah déjà, le truc qui est marrant à faire dans la base, c'est que les gens sont contents de te voir. Boss, welcome home. Voilà. Le premier truc qu'on voit et puis qui kiffe, c'est qu'on leur pète la gueule. Là, tu leur demandes. Tu leur fais une petite interrogation gratuite comme ça, hop, direct. Puis après, bah, quand tu leur prends, je crois qu'il te dit, ah, vas-y. Elle dit pas. Elle dit-le. Voilà, plus fort. Plus fort, ok. Tu veux que je t'étrangle plus fort? Il kiffe ça. Et le pire, c'est que quand il se relève. Allez mec, relève-toi. Hey soldat. Oh. Et qui prend son arme. Puis après, bah, il est content. Voilà. Ça, c'est du respect quand même. Hein? Respect, mec. Bon, allez. On peut pas avoir des armes létales, on peut pas tuer ces soldats. Si, on peut les tuer, hein. J'en ai déjà balancé un dans la flotte et du coup bah, ça m'échec de la mission. Faut pas les tuer, faut pas les écraser en véhicule aussi, c'est pas gentil. C'est des soldats qui te prennent pour le master, alors du coup faut pas faire de conneries. Il y a un truc aussi que je voulais essayer, que j'ai acheté il y a pas longtemps, je vais essayer ça. Ouais. J'ai acheté ça, c'est super. Relève-toi, attends, faut que je teste ça. Alors ça c'est le bras fusé, j'ai développé ça il y a pas longtemps. C'est vraiment un truc de dingue. Eh hey, mec! C'est le point d'Iron Man. On peut aller plus vite? Ah ouais. Ah puis j'y mets un pain. Mais c'est énorme. Oh, c'est dur à contrôler. C'est vraiment énorme. Oh putain. Bon bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer, vu qu'on peut extraire aussi des animaux, et ben il y a une plateforme zoologique, mais elle n'est pas sur la Mother Base là. Elle est. Alors, en fait, il faut appeler l'hélico. Putain, mais appelle l'hélico. Hélicoptère. Voilà. En fait, il faut appeler l'hélico et après, c'est une fois qu'on est dans l'hélico qu'il faut lui dire de nous emmener à la plateforme zoologique. Mais ça, je savais pas au début, j'ai trouvé ça par hasard, comme ça. Je me dis, putain, tous les animaux qu'on extrait, là, les biquettes et tout ça, ça fait gagner du pognon aussi. Hein. Ça peut servir à rien, on dit, mais bon, quand t'extrais un ours, des loups et tout ça, les gens, ils aiment bien et du coup, ils te donnent du pognon. Pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Du coup, moi, le pognon à prendre, je le prends. Allez les mecs, ciao, hasta la vista. À
Alors voilà, attends, il faut aller là, et là il faut appuyer sur Y, voilà. Sur Y, et il y a la plateforme zoologique. Et toi tu m'amènes là. Et bim, on arrive à la plateforme zoologique. On va voir des animaux, on va se battre avec des ours. Ah, je pense pas, je crois que les ours sont enfermés, mais on peut pas les attaquer. Ils peuvent pas nous attaquer non plus. Ça serait con de mourir dans une plateforme zoologique. Ne pique pas, si on va aller voir ces animaux. C'est quand même kiffant en fait, le truc qu'on arrive en hélico, pépère, hop. C'est bien foutu quoi. Il y a tout ce que j'ai à peu près capturé. Bon, après, je sais qu'il y a des oiseaux, j'avais chopé un oiseau légendaire. Parce que oui, il y a des animaux légendaires, quand on les chope, on gagne blindé de thunes. C'est même des missions secondaires carrément. Ah, ils sont pas durs à avoir, hein. Sérieux, faut prendre les armes incapacitantes, bah tiens, les trucs tranquillisants comme le pistolet ou le sniper. Et on y va, t'y vas avec D-Dog. D-Dog il le chope direct, bah il le chope, il le cale direct avec son flair, parce que D-Dog en fait son truc c'est qu'il peut te marquer les ennemis avant que tu les aies vus. Et du coup ouais, il voit les animaux dès qu'il y en a un, il te le dit, et puis tu perds moins de temps à le chercher. Ah là il y a des oiseaux. Ouais. Je suis content. Bon. Les petits oiseaux que j'ai capturés. Alors là c'est quoi? Conservation animale, zone carnivore. Voilà, là ça me plaît là. Voilà, voilà. Lui c'est un ours légendaire. Ça c'est un ours normal. Putain, j'ai chopé que ça en ours. Peut-être qu'ils sont séparés. Alors ça doit être des loups. Pas beaucoup de loups. Ah bah si, tiens, ils mettent les loups avec les hyènes. Eh, battez-vous, putain, on veut de l'action. Je peux l'endormir. Ah ouais. Le mec, ça c'est quoi ça? Pareil. Ah, je crois des chacals ça. Ou des chacos. Oh, j'en sais rien. On peut pas passer là. Après, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. C'est juste pour le kiff, je pense, la plateforme zoologique là. Parce que je vois pas l'intérêt. Pour le moment, il bah, y a rien quoi. C'est quoi ça? Il y a un bouton là. Ah non, c'est juste pour passer par-dessus. Parce que je voyais qu'il y avait des trucs écrits. Ouais. Ouais, bah on s'en va, hein. Là, il y a ça, je pense qu'il y a les animaux herbivores, là, ben... De l'autre côté, ceux que j'ai vus en hélico, là. Là, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir là-bas. Conservation animale des oiseaux, ouais, bah ça, j'ai remarqué. Ah, je suis gros, celui-là. Je peux tirer dessus. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Ah, là, c'est quoi? Zone des herbivores 2, ok, il y a deux... Ah ouais, là je peux me battre avec des animaux. Là. Hey yo, la biquette. J'ai mis du... Ouais, mais c'est ça qui est bon. Putain, il me charge. Oh, hey, tu fais quoi, toi? Super point. Ok, ouais. C'est chiant parce que c'est inversé. Ah, dans ta gueule de biquette. Eh ouais, gros. Super Snake avec son point fusé. Mais ça, c'est trop bien, ça. Le point fusé, j'aurais jamais cru qu'ils allaient faire une connerie pareille. Ça doit faire du bruit, j'ai jamais essayé contre des soldats, parce que ça c'est un truc que je viens de développer, j'ai dit ouais, faut que j'essaye. Je crois qu'il y a un point grappin aussi, mais j'ai pas essayé. Ah, il y a pas mal de trucs, dans ce jeu, plus t'avances, plus tu vois des trucs de ouf, tu te dis mais putain, il est énorme. Bon bah je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein, parce que là je pense que c'est les... Ouais, c'est... Je vais mettre un coup de poing dans la gueule à l'âne, là. Attention! Et le doublé! Niquer deux ânes en un! Allez! Pff, trop simple. Attends, un truc que je voulais essayer. Je viens de penser tout de suite. Est-ce que je peux mettre un coup de poing dans la gueule? Ah! Eh ouais. Je suis assommé. Oh putain, c'est énorme. Oh mon dieu, oh putain. Bon bah voilà, on va se quitter là-dessus sur Boss qui se met des putains de pain dans la gueule tout seul. La prochaine vidéo, je ferai sur le FOB sûrement. Je vais essayer de m'attarder un peu là-dessus, parce que là, j'en ai pas fait beaucoup, du coup, je sais pas trop comment ça marche. Et puis, je vous dis ciao, ciao, puis à la prochaine.